Moi, ce qui me frappe justement quand je parle aux populations de la région, donc majoritairement arabes et musulmanes, c'est les exemples qui me sont balancés. Certes, effectivement, aujourd'hui, il y a un souci, il y a un problème aujourd'hui de mesurer à sa juste ampleur les attentats, les massacres commis par le Hamas en Israël qui ont fait plus de 1 400 morts, dont une majorité de civils. Parce qu'ils mettent en relation tout ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé avant dans les territoires palestiniens, mais jusqu'à la guerre en Irak. On me parle souvent des fausses preuves avancées par Colin Powell, les armes de destruction massive que l'on n'a jamais trouvées, etc. Ce que je veux dire, et effectivement, on ne peut pas les raisonner. On ne peut pas les raisonner. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de droit international qui a été violé. Et avant même ces attaques terroristes, parlons de la bande de Gaza, qui est victime depuis 2007 d'un blocus illégal de la part d'Israël, mais Bien également de sûr. l'Égypte. Parlons de ce territoire avec le plus densément peuplé du monde, avec plus de 2 millions de personnes, dont une incroyable majorité vit sous le seuil de pauvreté, certes sous la férule du Hamas, mais il ne faut pas quand même oublier que le Hamas, ce mouvement islamiste, qui est tout de même différent de Daesh, il ne s'agit pas de minimiser les attentats terribles, effroyables, terroristes qu'ils ont commis, mais qui a été élu en 2006 lors des élections régionales palestiniennes, un scrutin que n'a pas reconnu la communauté internationale, un mouvement qui a aidé, en tout cas à la fin des années 80, Israël pour contrer le Fatah de Yasser Arafat, un mouvement qui a tout de même été ménagé par Benjamin Netanyahou au cours des dernières années, par l'entremise du Qatar qui a versé des valises de billets pour payer les fonctionnaires au Hamas, le but étant avoué par Benjamin Netanyahou à ses partisans du Likoud, ça vise à affaiblir l'autorité Autorité palestinienne de palestinienne. Mahmoud Abbas et donc la création d'un État palestinien. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'excuser ce qui vient de se passer, mais le Hamas, on les connaît, on sait d'où ils viennent, et effectivement, ils imposent une loi terrible aux habitants de Gaza, mais je pense qu'il serait un peu Mais trop excusez-moi, simpliste. ma question était peut-être formulée de façon un peu Ouais. longue. Simplement, est-ce que vous pouvez comparer l'armée israélienne et le Hamas? Moi, personnellement, en tant que Oh non, journaliste, non. est-ce que intellectuellement, est-ce que ça fait du sens de comparer l'armée israélienne et le Hamas dans la façon dont ils agissent et dans la qualification des faits Écoutez, de ce que l'un et l'autre font? moi, ce que je peux dire en tant que journaliste, c'est que depuis le début de l'année, on en parlait, Pierre en parlait tout à l'heure, il y a en Cisjordanie un nombre sans précédent de morts palestiniens, des combattants, C'était de pas ma groupes armés, question. mais également de civils. Attendez, je vais y Bien venir. sûr. Et également un grand nombre, en majorité des civils, qui sont le fait de raids de l'armée israélienne et d'exactions de colons, sans qu'on en parle le moins du monde. Il s'agit parfois d'opérations. Elles sont toujours présentées, ces opérations, comme des opérations antiterroristes. Parfois, elles sont justifiées contre des groupes armés à Jenin, à Naplouse. Parfois, elles visent souvent Oui, donc vous créez quand même une des forme civils. d'équivalence. Non, je ne crée pas d'équivalence, mais je veux dire Bah, que comme vous répondez c'est ça pas noir ressemble et à une blanc, en fait. C'est équivalence. pas noir et blanc. C'est pas noir et blanc. Mais Ah aujourd'hui, oui, d'accord. Donc entre le Hamas, la qualification de armée israélienne et Hamas, organisation terroriste, pour vous, j'ai pas c'est compris. pas noir et blanc. Bah, c'est-à-dire que puisque vous dites que l'armée israélienne a commis des actes qui effectivement étaient sans doute pas irréprochables, ça revient du coup à créer une équivalence entre le Hamas et Pas du l'armée. tout. L'armée israélienne est l'armée d'un État. Voilà. C'était le sens de ma Le question. Hamas est un mouvement islamiste terroriste selon les États-Unis et l'Union européenne qui a commis des actes effroyables, qui d'ailleurs au passage n'étaient pas les premiers. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans un silence quand même assourdissant qu'il y a, depuis le début de l'année, un nombre sans précédent de morts en Cisjordanie. Qui, aujourd'hui, en Occident, en a parlé? Qui, dans l'ensemble du monde occidental, y compris les États-Unis, a cru que le conflit palestinien aurait pu être géré? C'était, d'après les signataires des accords d'Abraham, donc entre Israël, les États-Unis, enfin, sous l'égide des États-Unis, Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, un conflit de basse intensité qui allait pouvoir céder la place à une véritable paix au Moyen-Orient. Ce que je veux dire par là, c'est que la population arabe, elle le voit ça, les populations musulmanes, elles le voient ça. Et quand on superpose, revenons simplement sur la visite d'Emmanuel Macron, elle est, je trouve, très intéressante. Certes, c'est le seul chef d'État occidental à s'être rendu aussi bien en Israël que dans les territoires palestiniens au chevet de Mahmoud Abbas. Mais quand on regarde bien les termes utilisés par Emmanuel Macron, je trouve ça particulièrement intéressant. Il y a une condamnation univoque des attentats du Hamas.
qui est comparé à une organisation, enfin qui est qualifié d'organisation terroriste, la lutte d'Israël contre cette organisation terroriste et la lutte du peuple français et la lutte de la France, c'est ce qu'a évoqué Emmanuel Macron. Maintenant, quand il va dans les territoires palestiniens, il ne parle pas, ne serait-ce que de bombardements israéliens. Il parle certes des populations civiles, des souffrances civiles, mais il ne va même pas parler de bombardements israéliens. Il parle de violences qui font suite à la vague de violences déclenchée par le Hamas suite à ces attentats. C'est-à-dire qu'il ne va même pas parler d'Israël. C'est extrêmement important, comme s'il craignait. Ce qui est intéressant, c'est que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, hier est allé un peu plus loin. Dans un discours, il a déclaré que le Hamas ne venait pas de nulle part, première chose, mais surtout, il a souligné les violations du droit international humanitaire. Et suite à cette déclaration, il s'est pris une volée de bois vert de la part du ministre israélien des Affaires étrangères. Qui lui a dit « Nous ne vivons pas dans le même monde. Dans quel monde vivez-vous ?» Je suis désolée, je vais tourner la parole à Mélisa Cour. Vous venez de dire quelque chose d'assez intéressant sur… vous pointez une différence de vocabulaire d'Emmanuel Macron entre sa visite auprès de Benjamin Netanyahou et sa visite à Ramallah, notamment auprès de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Est-ce que vous l'avez noté aussi à Mélisa Cour ? Est-ce que ce petit détail de vocabulaire, c'est précisément ce qui nourrit ce sentiment qu'on essaye de mieux comprendre, d'un deux poids, deux mesures. En fait, moi, ce que j'ai vraiment noté, c'est que la seule proposition innovante d'Emmanuel Macron, ça a été de proposer de joindre la coalition anti-Daesh à une nouvelle coalition anti-Hamas. Et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne proposition. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire quand il dit ça, mais moi, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est qu'on va faire tapis de bombe sur Gaza. Parce que qu'est-ce qu'on a fait avec Daesh ? On a fait un tapis de bombe sur Mossoul. Et donc ça, l'armée israélienne, je pense qu'elle va très bien le faire toute seule. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une coalition internationale ? Alors, l'Élysée a quand même précisé, après les déclarations d'Emmanuel Macron, qu'il s'agissait, par exemple, de partage de renseignements et pas forcément d'opérations directes de l'armée française ou de bombardement. Ok, c'est une information qui m'avait échappé en tout cas, mais ça s'inscrit dans le narratif israélien, puisque Benjamin Netanyahou a, après les attaques du 7 octobre, comparer Daesh et le Hamas. Mmh. Et en fait, lui, c'est vraiment ce qu'il voulait dire, pour le coup. Et cette comparaison-là, justement, hier soir, sur ce plateau, on a plusieurs invités qui nous expliquaient que c'était une comparaison qui, dans une partie des opinions publiques arabes, ne passait pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Pourquoi le Hamas et Daesh ne sont pas perçus comme deux mouvements terroristes avec des méthodes terroristes et donc comparables ? Alors, je pense que c'est parce que, déjà, Daesh a quand même commis des atrocités envers la population sur le territoire qu'il dominait, ce qui n'est pas le cas du Hamas, ou pas à la même échelle. Mais quand c'est chez les voisins, ça va ? Ça passe quand c'est chez les voisins ? C'est pas du même. C'est absolument pas ce que je dis maintenant. Non, mais j'essaye de comprendre pourquoi vous faites une différence entre son territoire et le voisin, quand il s'agit de civils. Peut-être que je peux juste aller au... Non, parce que comme vous avez dit d'interagir, je vous pose la question. Okay, j'essaye de comprendre la distinction. Je vais préciser à Mélisa Cour et vous pourrez répondre. En fait... Daesh a quand même, enfin c'était la politique de Daesh de faire ça sur son territoire pendant des années. Ce n'est pas le cas du Hamas. Le Hamas a lancé cette attaque à ce moment-là précis. Certes, il y a des atrocités qui ont été commises, mais ça n'est pas été une politique qui a été menée pendant des années. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, excusez-moi, je ne sais pas si on va pouvoir couper, mais vous m'avez fait complètement perdre le fil de mon truc. Bon, on va faire circuler la parole et comme ça vous retrouverez le fil de votre pensée. Ina Sikirel, je vous donne la parole juste après. Vous voulez... Oui, non, je suis désolée d'avoir interrompu le fil de votre pensée, mais j'essayais de comprendre. C'est-à-dire que là, je pense que dans la proposition qui est faite par le président Macron, d'étendre la mission de la coalition contre Daesh à la lutte contre le Hamas, il y a plusieurs choses importantes. D'une part, il y a une précision que vous avez apportée qui est fondamentale, c'est que cette coalition, ça ne se traduit pas forcément, et là, dans ce cas-là, je pense que ça ne se traduira pas par des attaques ciblées militaires avec des soldats européens qui iraient sur le terrain à Gaza.